Bon, bah salut tout le monde. Pour ceux qui ont rejoint le chat, qui ont rejoint le stream. C'est mon seul stream de ce dimanche, hein. J'avais pas trop l'humeur de jouer. J'avais pas l'envie de jouer cet après-midi. J'avais envie de faire autre chose. Je suis comme ça, moi, des fois. Je joue quand j'ai envie. Je suis un mec comme ça. Voilà. Pour m'amuser que je joue. Mais ouais, c'est pas. Elle s'est pris une flèche dans la. Oh là là. C'est déjà la guerre. Ça a même pas commencé. C'est la guerre déjà. Ça, hop. Bon, batterie roue. Pita power. Non, le petit truc là. Sûrement des trucs intéressants par là. Sûrement. À vérifier si j'ai eu raison de venir ici. Ah bah voilà. Bah oui, je savais que j'ai eu raison. Putain, merde! Oh là là! Bon, bah ouais, on fera mieux la prochaine fois. J'ai que 19 heures de jeu, hein. J'ai pas 200 heures de jeu comme certains, hein. Bon, je dis ça pour ma défense, mais bon, j'ai joué comme une merde. Bon, bah on va faire mieux prochaine fois. Non, je vais pas m'excuser, ça sert à rien. Ça, c'est ma devise. Pas d'excuses, je m'excuse pas. Ah, j'ai joué comme une merde, bah voilà, j'assume, hein, j'ai joué comme une merde. Pas d'excuses. Pas trouver des. Hein, on va pas trouver des excuses bidons, hein.
Essayer de se mettre par là. Ouais, là ça a l'air bien, là, primoresque. Là, je peux pas encore. Je voulais atterrir sur le toit, mais bon, c'est pas. Au moins, j'ai des fringues. Et ouais, c'est ça ce jeu, il faut avoir l'habitude de mourir. Military base, non, je le sens pas trop. Primo, oh, j'ai déjà fait ça. Je vais essayer d'aller dans. Est-ce que je pourrais aller dans l'île secrète là? L'île secrète, je sais pas. Elle est là, l'île secrète. Je suis jamais allé encore. Ouais, ce sera pas pour maintenant. Hein. Quoique, c'est peut-être faisable, hein. Faisable si j'arrive à me trouver un bateau par là. Ouais, je vais essayer de tenter le coup. Allez. Si c'est faut trouver le bateau quoi. Trouver une zone où il y a un bateau. Il doit y avoir des bateaux par là, je suis sûr. Par là, je pense pas qu'il y en ait par là. Ouais, il n'y a pas de port par là, donc faut vraiment connaître. Il n'y a pas de port par là. Putain, on a qui squattent la même maison que moi.
Ah merde, putain. Philippines. Ah bah Philippines. Je me suis fait tuer par un Philippin. Ou par un Philippe, je sais pas. Parce que c'est Philippe F-I. Ouais, Philippines. Ah ouais, il pleut là. Ah, elle était chiante cette voix là. C'est vrai. Hein. Yes. Bon, j'ai 100 minutes pour pouvoir looter. Un pantalon, c'est bien. Moi, j'ai des chaussures et un pantalon, c'est déjà ça. Tiens, un t-shirt. Ah, un peu dégueulasse le t-shirt, mais bon, on va faire avec. C'est pas mauvais, hein. Il y a des trucs bien ici en fait, finalement. Des bons trucs à looter. Bon, c'est juste dehors, il pleut, il fait dégueulasse. C'est comme
Ça. Pas utile, on prend pas. Ah, bah voilà. C'est carrément mieux ça. Ça me sert à rien, chargeur de pistolet, j'ai pas de pistolet. Je peux pas. J'ai pas de sac. Ah, peut-être un sac en bas, remarque. Faut que je trouve un sac là, de toute façon. Non. Ah bah voilà un sac. Super. Je vais plus avoir besoin de ça. Combien il reste? 2 minutes. Ouais, ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Tirer au premier étage. Ah oui, si. Des balles, c'est intéressant. Non. On s'en fout. Allez, hop. On va prendre une petite boisson énergisante. Essayer de tâcher de trouver un véhicule. Là, c'est bon, je suis tout près de la zone en plus. Pas besoin de véhicule. On va éviter d'aller dans la zone rouge. Ah bah super, il y a un véhicule là. C'est cool. Pour le moment, la partie commence bien. On va éviter d'aller sur la route parce que là, sur la route, je vais me faire poutrer. Voilà. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Des trucs bien là-dedans. Espèce de grosse baraque là. Visiter. Des casquettes. Un chargeur rapide pour pistolet, ouais, ça c'est bon. Ça, les balles, je prends. Ça, les balles 9 mm, ça peut servir. Il n'y a personne dans les alentours, c'est bon. Ça, c'est quoi? Des balles encore 9 mm. Ok, prends aussi. Voilà.
on va fouiller des... On va fouiller d'autres trucs. On va fouiller un peu ce qu'il y a par là. Se trouver des trucs bien, on ne sait pas. Merde! Pff, oh, fait chier, putain. Fallait qu'il y ait quelqu'un qui apparaît juste là. Comme par hasard. Bon, bah c'est pas le kiff, hein. Bon, ce dimanche soir, on peut pas dire que c'est, je suis pas un jeu de ouf, hein. Ah, et ça, je sais pas très l'utile. Un professionnel là-dessus. C'est un professionnel du snipe. Essayer de sniper quelqu'un qui est super loin. On va se mettre en mode sniper. Ah, mais il était prêt aussi, c'est facile. Ah bah tiens, on va essayer d'aller sur l'île. Enfin, si j'arrive à me... Je crois qu'il doit y avoir un bateau par là, je suis obligé. Obligé, il doit y avoir un bateau. C'est le seul moyen d'aller sur l'île. Une fois j'arriverai à aller sur l'île. La petite île là-bas, je suis sûr qu'il y a des trucs bien à prendre en plus. Ah mais il n'y a pas de bateau par ici. Putain. Déjà faut le trouver le bateau quoi. Ouais, faut le trouver déjà. Donc le bateau il est pas par ici apparemment. Par hasard, t'as un mec qui vient squatter l'endroit que je veux squatter. Elle a pas choisi la même maison. Putain, je pensais l'avoir, putain. Ouais, j'aurais dû faire le mouvement de tête là. J'aurais dû me faire le... Pas me présenter comme ça, mais... Décalé. J'ai pas été... Faire un petit décalement comme ça. Pas encore les bons réflexes. Je crois que c'est F. Ah, j'avais mis F et A. Faire décalement gauche-droite comme ça.
Ouais, décalement comme ça. C'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais peut-être gagné la partie comme ça d'ailleurs. Oh putain! Fais chier! Oh là s'entraîner en snipe, se mettre dans un coin comme ça, en mode sniper elite. Non, forcément, je fais aucun dégât, aucun tir. Ah si, j'en ai eu un.
Oh putain, on est trop. Non, il faut aller vers celui qui a l'arme, putain. Merde. Je pensais que j'étais le seul à avoir l'idée de me mettre là et tout le monde va se mettre au même endroit. Et tous décider d'aller au même endroit. Bon, cette fois-ci, je vais aller à un endroit, dans une grande ville. Parce que ça se trouve, ils sont tous décidés d'aller dans les petits trucs merdiques là. En se disant, je vais être le seul qui va y aller, puis en fait, finalement, t'as 6 mecs qui font la même chose, qui ont la même idée au même moment. Toujours pareil. Ouais, d'accord. Fatigant. Ah, il me fatigue, les gars. J'ai des bottes, c'est déjà ça. Ah bah voilà. Bon, il y a des trucs bien. Combien 4 minutes, ouais, j'ai largement le temps, putain. Bah, une lunette x4. Nickel, c'est ce qu'il me fallait.
Combien de temps il reste là? Temps de visiter un petit peu les alentours, voir ce qu'il y a. Tiens, ça c'est bien. Quand même super lent. On va quand même vérifier s'il y a pas des trucs intéressants par là. Ça peut servir. Corps à corps surtout. Bandage, oui, c'est utile. Il reste 50 secondes. Il va falloir trouver une bagnole. Par contre, mon écran est dégueulasse. Ça vite fait, mais ah, mon écran d'ordi était dégueulasse. Ah putain, il était où donc? Je pensais qu'il me voyait pas. Ah, c'est ça, de vouloir tirer comme un fou, forcément, on se finit par. Moi j'ai réussi à en toucher un. Pas eu de frag, mais j'ai réussi à le toucher. Mais j'aurais dû me mettre en mode unique. Parce que là j'étais en mode rafale, je suis sûr que j'aurais pu l'avoir.
En fait, ce qu'il faut faire, c'est se cacher derrière l'arbre, mettre des petits coups d'œil comme ça, là, genre comme ça. Voilà. Faut la jouer à la campouse. Voilà, et là tu le tires comme ça. Ouais, c'est ce jeu, faut se la jouer à la campouse, hein. Y'a que ça à faire, hein. J'y vais trop à la bourrin, c'est ça le problème. C'est ça mon gros problème. Putain, mais il y en a toujours un qui a la même idée que moi. Et il veut se mettre au même endroit que moi, comme par hasard. Il va choisir la même maison. Putain, il y en a toujours un pour casser les couilles, quoi. C'est dingue. Monsieur, je tape l'incruste, je fais comme toi, voilà. C'est ça. T'as voulu taper l'incruste. Monsieur, je tape l'incruste, je m'installe chez toi et tout, normal. Je te jure, ça me casse les couilles. Ah putain, bah ouais! Ah, il m'a cassé les couilles, hein! Ah, je te jure! Plus, il vient squatter mon territoire, quoi! Sérieux! Ah, je vais prendre toutes ses fringues, voilà! Non, mais. Il y en a, ils ont pas de gêne, hein. Ils viennent squatter le même endroit que toi, comme ça, sans gêne, hein. Je te jure, hein. Aucun respect, hein. Y a plus de respect, il n'y a plus rien. C'est fini, ça. Déjà un viseur point rouge. Viseur holographique. Ouais, non, c'est mieux ça. Quoique, je sais pas. On va garder au cas où. On sait jamais. Ouais, bah j'ai tout visité, hein. En fait, y a rien. C'était un endroit paumé, c'est tout. Je me suis juste mis dans un endroit paumé, puis il y a eu un con qui a eu la même idée que moi. Voilà. Comme deux trous du cul, on a tous squatté à un endroit paumé.
Et où il n'y a pas de voiture, forcément. Ce serait trop simple sinon. Ouais. Ok. Pas de véhicule, non? Non, je pouvais toujours rêver. Ah si, peut-être là-bas. Quoique c'est ça, peut-être un truc factice. Hein. Ça vaut peut-être le coup là. 2 minutes. Je peux peut-être l'avoir. Je crois pas que ce soit un véhicule factice. Hein. Oh putain, il est loin en plus. Hein. Allez. Ça en plus j'ai le plein d'essence. Le véhicule est livré avec le plein d'essence, c'est quand même pas mal, hein. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Quelques cascades. Je pense que je peux me la faire la colline ici. Ouais, ça va le faire. Oh là là, je me crois trop à, non, sur GTA 3 là. Là, il y a un gogol qui court, forcément. Je vais essayer de se l'allumer. On va essayer de le renverser. Ah ouais, ah ouais. Bim! Ah merde, putain. Je pensais que je l'avais eu. Voilà. Voilà, bah oui. Voilà. Voilà, respecte mon autorité. C'est tout. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand on veut pas respecter mon autorité? C'est ça. On va se mettre un petit coup de bandage quand même parce que... Là, le truc il va bientôt se rapprocher. On a assez loot. Hein. Pas question qu'on se fasse rattraper par la zone. Putain, j'ai pris le véhicule le plus pourri, forcément. J'aurais pas pu reprendre le super véhicule que j'avais avant. Il fallait que je prenne la Dacia toute pourrie, là.
Non mais hey, j'ai quand même que 19 heures de jeu hein. Quand même hein. C'est pas mal hein. Je suis sûr qu'il y en a qui doivent se dire que je dois puer la merde et tout, mais attends. J'ai quand même fait 3 frags hein là. Enfin, je dis ça, je vais peut-être me faire poutrer là une minute à l'autre. Oh putain, en plus y aller. Oh fait chier. Je suis dans la zone où il y a des bombes. Oh putain. Dans la zone pourrie du jeu là. Oh là là. Je sais pas si je vais m'en sortir vivant. Ça a bien commencé cette partie, mais là, là je sais pas. Ah, je suis en première personne là. Comment j'ai fait ça? Bon bah je vais rester en première personne. En fait, le jeu est trop simple en troisième personne. Ah, c'est ça. C'est. Je me suis dit tant qu'à faire, on va le faire en troisième personne parce que. Sinon c'est trop simple quoi. On y est presque. Je sais pas, j'ai appuyé sur V. Sur quelle touche j'ai appuyé pour être en première personne? J'ai appuyé sur. Qui c'est qui me tire dessus là? Bah je sais pas, j'ai fait une combinaison de touches bizarre là, je me suis retrouvé en mode FPP. Je sais pas, on va voir, hein, on va voir ce que ça va donner. On sait jamais, hein. C'est bien le mode FPP aussi, hein. C'est le pont. Bon, c'est à peu près la zone la plus dangereuse du jeu. J'appuie sur H, sur R, sur T. Ah oui, sur T. D'accord, c'est T pour arriver à la première personne. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me caler un petit endroit pour reprendre des vies. Ouais, non, il reste 1 minute 55. Ouais, non, ça va pas le faire. Autant que j'arrive dans la zone directement. Quand même pas rester sur la route, c'est dangereux la route. Prendre des bandages parce que là. Oh putain, j'en étais sûr. Ah voilà, il y en a un qui se planquait. Je me suis dit je vais me mettre là, je suis en sécurité, mais non. Non, t'es jamais en sécurité dans le jeu. J'aurais dû avancer comme un bourrin, sans vouloir me prendre un temps de répit. Voilà, bon, j'ai quand même fait 3 frags. C'est pas rien. Bon, c'est la dernière partie. Après, je crois que je vais aller me coucher. Parce que demain, je reprends à 6 heures.
En fait, le mec, il a dû se planquer derrière un arbre comme ça et puis me viser comme ça, en fait. Ou non, carrément, comme ça. Vraiment à la campousse, quoi. Yes. Hop. Moi j'en ai eu un. Bon. Bah sur ce, les amis, moi je vais me coucher. Coucher parce que demain je me lève tôt. Et puis bah je vous souhaite une bonne soirée à tous.